La neuroimagerie a un rôle de plus en plus important dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Autrefois, l'imagerie était utilisée pour éliminer d'autres pathologies qu'on pouvait traiter, par exemple neurochirurgicales. Mais aujourd'hui, l'imagerie est utilisée d'une part pour aider au diagnostic, même si elle n'est pas spécifique. Il faut bien sûr la mettre ensemble avec d'autres marqueurs biologiques et surtout cliniques en considération. Mais elle permet aussi de voir comment la maladie évolue dans le temps. Et là, on a des atteintes du cerveau qui sont, par exemple, d'ordre structurel, anatomique, comme l'atrophie générale du cerveau, mais surtout de lésions qui se produisent au niveau de l'hippocampe. Donc l'atrophie hippocampique est un paramètre important, même s'il est évidemment très indirect par rapport au mécanisme moléculaire de la maladie. Mais de voir chez un patient qui est atteint d'anomalie, d'un déficit cognitif modéré, une atrophie progressive de l'hippocampe, permet quand même de conclure avec une grande fiabilité sur l'apparition de la maladie d'Alzheimer. L'IRM de diffusion permet également de voir comment l'hippocampe se connecte à d'autres régions cérébrales, en particulier le cortex orthorhinal, et ces anomalies sont aussi assez spécifiques, même si elles ne sont pas à 100%, de la maladie d'Alzheimer. Voilà, mais ce sont des critères indirect, mais important, en particulier dans le cadre de protocoles thérapeutiques, si des médicaments sont proposés, des molécules sont proposées, de pouvoir suivre l'évolution dans le cerveau avant l'apparition de signes cognitifs permet de faire gagner un temps très précieux. L'imagerie par IRM est également utilisée pour les études dans les modèles animaux pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie et développer des médicaments. L'autre grand domaine de l'imagerie, ce sont des méthodes plus fonctionnelles et plus métaboliques utilisant la caméra à émission de positons, alors toute seule, ce qu'on appelle la tête, ou maintenant on a de plus en plus des machines hybrides, caméra de positons et scanner à ions X, couplé avec l'IRM, ce qui permet d'augmenter la résolution spatiale de cette méthode. Et en utilisant des traceurs radioactifs ciblés, on peut estimer la consommation de glucose des régions cérébrales, ce qui est un signe indirect, mais quand même un signe intéressant d'atteinte du cortex cérébral. Et puis surtout, on parle beaucoup maintenant des composés amyloïdes et le PIB, c'est un marqueur assez spécifique des plaques amyloïdes, des dépôts amyloïdes, permettent de suivre les patients avec une antécédence, une précocité qui est importante pour prédire l'évolution de la maladie. Il y a d'autres marqueurs qui sont en train d'être proposés, bien sûr pour le taux, pour l'activation microgliale, l'inflammation, mais le problème de ces marqueurs, c'est effectivement qu'il y a une grosse radiochimie à y associer, et donc un coût. La radioactivité est aussi à courte durée, donc parfois il faut des cyclotrons, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et le dernier point, c'est que donc, l'ensemble de ces stratégies d'imagerie doivent être combinées finalement avec, comme je le disais au début, la clinique, les cerveaux biologiques, et pour avoir des études épidémiologiques qui de qualité, il faut pouvoir aussi trier un peu les patients, parce qu'en fait, les déficits cognitifs ou même mémoire regroupent un très grand nombre de pathologies diverses. Il faut donc arriver à faire le tri, et pour ça, on va utiliser des initiatives qui ont été prises aux États-Unis et en France, qui s'appellent ADNI aux États-Unis et CATI en France, donc des centres qui récoltent les données en multicentrique d'un grand nombre de centres. Par exemple, en France, le CATI, c'est une cinquantaine de centres. Donc, des données d'imagerie d'IRM, de TEP, des syndromes cliniques, biologiques, génétiques, et qui vont brasser tout cela grâce à des calculs, des algorithmes qui ont été développés spécifiquement pour arriver à faire ressortir des choses qui ne seraient pas visibles autrement, donc pour faire avancer nos connaissances sur la maladie. Donc, ces plateformes multimodales vont avoir un rôle très important dans l'avenir pour comprendre des maladies aussi complexes que la maladie d'Alzheimer, pour trier finalement ce qui existe, mais pour d'autres pathologies, comme par exemple les pathologies psychiatriques.